que vous allez bien. Moi, ça va bien. Là, on est lundi matin. Il est 7h35. Je m'apprête à aller habiller les gars. Je m'apprête à aller habiller les gars pour qu'ils aillent à la garderie. Parce qu'aujourd'hui, c'est jour de vaccin. Je m'en vais me faire vacciner. Fait que c'est ça, je suis un peu stressée. En tout cas, j'imagine que ça va bien aller. Puis c'est ça, fait qu'aujourd'hui, comme je sais, je m'attends à avoir des effets secondaires. Fait que je vais comme essayer de faire du ménage, tout ça, avant de partir. Puis essayer d'en faire aussi en revenant. Tu sais, ça, c'est juste, dans le fond, avant que je me mette à mal filer, parce que je suis pas mal sûre que je... Ben, c'est qu'il parle de douleur au bras. Puis mettons, ma belle-mère, elle a été comme vraiment... Tu sais, comme le soir, elle filait vraiment pas. Fait que... Puis le lendemain, elle était raquée, tu sais. Fait qu'en tout cas, je vais voir. Mais tu sais, je m'attends à pas filer. Je veux pas faire comme si j'allais bien filer puis que tout allait être top-notch puis comme que finalement, je file pas. Je m'attends à mal filer. Puis tant mieux si je file bien, tout simplement. Fait que c'est ça. Donc, je vais me faire vacciner aujourd'hui à 10h20. Je vais emmener Zach avec moi parce qu'aujourd'hui, c'est pédago. Donc, Zach a pas d'école. Ben, on fait école à la maison encore cette semaine. Mais c'est ça, tu sais, il y a pas d'école. Fait que je le laisserai pas ici toute seule. Fait que je vais l'amener avec moi. Fait que c'est ça. Puis aujourd'hui, ce soir, je vais faire le gâteau de fête de Zach à elle. Ben, je vais faire le gâteau puis je vais le décorer demain, j'imagine. En tout cas, je vais voir. Parce que c'est sa fête demain. Fait que c'est ça, c'était plate parce que j'aurais aimé ça qu'il y ait de l'école. Pour que, genre, je puisse décorer tout puis qu'il revienne à l'école puis que ça soit décoré tout ça. Mais là, comme une fois, je vais le faire ça devant lui, je trouve ça tellement con. Fait que, en tout cas, on va voir, je vais essayer de trouver une solution pour ça. Peut-être si son ami est là ou quelque chose, tu sais, il va jouer dehors, de quoi genre. En tout cas, on va se le souhaiter vraiment fort. Fait que c'est ça. Donc, c'est les plans de la journée. Faire du ménage, aller me faire vacciner. Puis, commencer le gâteau. Enfin, dans le fond, je vais peut-être faire le gâteau aujourd'hui. Tu sais, ça, puis tu sais, le temps qui refroidisse, tout ça, puis je vais le décorer demain. Je vais voir. En tout cas, je vais voir. Puis, je me suis trouvé une belle recette de crème au beurre. La mienne avant me prenait genre 1000 ans. Enfin, c'était tellement long. Mais elle était vraiment bonne. T'sais, c'était vraiment de la bonne crème au beurre, puis tout ça. Puis, mais tu sais, elle me prenait comme une heure à faire. C'était vraiment long. Mais mettons 40 minutes, là. Mais là, j'en ai trouvé une sans œufs parce que moi, ce qui me fait chier dans ma crème au beurre, c'est tant les œufs parce que comme mes œufs cuisaient dans mon sirop. En tout cas, c'était de la maudite merde. Mais j'en ai trouvé une, c'est ça, sans œufs. Puis elle est tellement moins sucrée que l'autre. Là. Fait que ça, c'est déjà un gros plus. Puis elle prend 5 minutes à faire. Fait que je vais essayer ça pour la première fois ce soir ou demain matin. Puis voilà. Fait que je vais vous montrer ça au pire, là, rendu là. Mais c'est ça. Fait que là-dessus, je vais aller habiller mes enfants. Je vais aller les porter à la garderie, je vais revenir, je vais déjeuner, tout ça. Je vais faire mon ménage, je vais me faire vacciner, puis au retour, on voit ce qu'on fait. Fait que là-dessus, je vous souhaite une belle journée pour ça. Regardez où j'étais encore ce matin. En train de gonfler mes tailleurs. C'est tout le temps le même, ça j'ai remarqué. C'est toujours le même tailleur qui dégonfle. Puis dégonfle solide, là. Fait que je sais pas si c'est parce qu'il y a un... C'est parce qu'il y a un trou dedans, puis pourtant, tu sais, quand tu t'approches, t'entends pas rien, ni rien, je sais pas. Mais en tout cas, fait que, ouais, je suis vraiment dû changer mes pneus. Puis comme je vous dis, je vais aller faire gonfler avec l'autre affaire, là, parce que... Genre, matin, j'avais oublié mes cartes, comme, sur ma table, ma carte de débit, puis tout. Puis là, je m'en allais porter les gars, j'étais comme, oh, c'est pas grave. Puis après ça, deux secondes après, j'ai fait comme, oh, puis tu sais, d'un coup que, comme de fait, ça l'allumait, j'étais là, calé. Puis tu sais, pourtant... Là, c'est même pas une affaire de température, là. Il fait comme aussi froid que les jours d'avant, là. Quoi qu'ailleurs, il a fait 17, tu sais. Fait que là, 17, puis là, on tombe à genre 2 degrés. Fait que là, en tout cas. Fait que bref, c'est fait, au moins. Donc là, il est 8h20. Les gars sont à la garderie, tout ça. Je m'en vais à la maison. Faire du ménage, puis déjeuner. C'est fait! Attends, je suis vaccinée. Tu m'as enlevé l'internet? Non, ben, je vais le te l'enlever, tu seras pas là. Fait que c'est fait. Juste qu'elle m'a mis un plastron, je l'ai déjà tordu. Il est quelque part dans mon manteau, j'imagine. Mais c'est fait, écoutez. Très slow, rien de spécial. C'est quoi? Oui. Allô, Miley! Mais c'est ça, fait que c'est fait. À date, je sens rien, mais j'ai eu le Pfizer, pour ceux qui pouvaient se demander. Ok, c'est ça. J'ai eu le Pfizer.
Puis c'est comme douleur au niveau de l'injection, peut-être un peu de fièvre, puis de la fatigue. Mais bon, fait que c'est ça. C'est ça les effets secondaires. On va voir au courant de la journée qu'est-ce que ça fait. Mais je me suis fait faire le bras droit. Mais en tout cas, j'espère que j'aurai pas trop mal au bras parce que si j'ai vraiment mal, je pourrais même pas prendre Laurent parce que je prends tout le temps Laurent du bras droit. Fait qu'en tout cas, là, on s'en va. À midi. 3h05. Ça fait 1000 ans que je vous ai pas parlé. Je suis rentrée pour le ménage à mon salon. J'ai aussi plié du linge. J'ai fait le ménage à ma cuisine. Tout ça. Fait que je m'en allais faire le chemin des cages à mes oiseaux. Puis en même temps, j'ai profité pour faire le ménage du salon. Zoé est sur le perchoir là. Puis il y a juste Paco sur sa cage là. Fait que ça va être plus simple. Puis là, je vous dirais que je me sens un petit peu bizarre après le vaccin. J'ai pas mal au bras. Du tout, tu sais, comme je sens quelque chose, mais comme ça m'empêche pas de faire quelque chose avec mes bras ni rien. Mais c'est ça, je me sens pas très très bien. Je me sens pas 100% bien, dans le fond, tout simplement. Là, je sens que je fais le bof, mais je pourrais pas dire c'est où. Tu sais, je peux, en tout cas. C'est ça. Je me sens juste pas au top de ma forme. Fait que c'est ça. Puis je me sens fatiguée aussi, puis c'est un des effets secondaires, mais là, je vais chercher les gars dans comme 25 minutes. Là, fait que j'ai pas le temps de me reposer. Fait que c'est ça. Ouais, je vais aller voir les cages de mes oiseaux en papier journal. J'avais rentré un, mais j'ai aucune de you. J'ai rentré un des pubs sacs que j'avais pris là-bas, puis je l'ai perdu. C'est vraiment tout you. Fait que j'en ai cherché un autre que j'avais laissé dans mon auto. Donc, j'ai rentré là-dedans. Je cherche les gars. Puis demain est un autre jour. J'ai vu les cas de COVID en Outaouais dans les dernières 24 heures, dans le fond, fait que, comme pour la journée d'hier. Puis on n'avait que 15 cas de COVID en Outaouais. Puis à savoir que quand on est tombé en confinement au début du mois d'avril, on était à 275 cas par jour à peu près. Puis hier, on était à 15 cas. Là, je sais que ça va pas continuer de baisser. Ça, on risque de temps comme entre ça puis 50 à peu près par jour. Mais ça va faire dropper notre pourcentage, j'imagine, assez pour que la semaine prochaine, on ait pas besoin que l'école continue à la maison, ça serait cool. Tu sais, il reste un mois et demi d'école, là, genre rendu là, tu sais, chupé pour être sûr qu'ils puissent avoir leur examen et tout ça. Mais en tout cas, je suis plus confiante cette semaine. Je sais pas c'est quand la prochaine conférence de presse. Je comprends même pas comment le monde pour prendre ces informations-là, je sais jamais. Fait que je vois jamais ça passer. Donc, en tout cas. Je vais essayer d'aller me renseigner. La dernière fois, la semaine passée, c'était mardi. Fait que j'imagine que ça serait demain. J'imagine. Oh, gros cacalo! Fait que j'imagine que ça serait demain, mais c'est à voir. Je vais essayer de trouver l'information pour pouvoir écouter ça. Fait que en tout cas, j'arrête de perdre mon temps. Et je m'en vais faire. Il est rendu 4h50. Je vais bientôt partir mon souper. Mais là, je viens de faire quelque chose que je fais trop longtemps. Oh! Pour finir, on va passer un mot ici. J'ai tout débouché. Mes tuyaux. En fait, j'avais vraiment un tuyau de boucher, mais tu sais, je leur ai fait un bon traitement vinaigre bicarbonate de soude. Fait que, ouais, c'est vrai, ça. Il y en a deux, là, que je savais pas qu'il y en avait autant de besoin que ça. Mais c'est ça, c'est quelque chose que je fais pas assez souvent. Je le faisais plus. Quand ça bloquait tout le temps, là, tu sais. Bref. C'est ça. J'ai passé tous mes tuyaux au bicarbonate de soude avec vinaigre. Ça a fait du bien. Et là, je clean up encore ma cuisine. J'ai fait mes cages tantôt. Mais là, en haut, j'étais supposée mettre. Enfin, j'étais supposée mettre du papier journal, là, comme partout. Mais comme Paco, il a juste vu le papier journal puis il s'est mis à le manger. Fait que là, je l'ai enlevé parce que là, ça servait à rien, là. Ça allait juste finir en miettes. Fait que ça me fait un peu ça parce que ça brise un peu mon point de comme mettre tout ça en papier journal, tu sais, pour comme que je puisse le composter au lieu de le jeter. Ou de le laver parce que c'est vraiment chiant. Mais en tout cas, c'est pas grave, là. Et ça, je vais voir ce que Zoé fait, si Zoé mange le sien. Mais c'est parce que tu vois, elle a des bacs en haut. C'est pas si pire, tu sais. Je pourrais juste comme laver les bacs, dans le fond. Mais, c'est ça. Ouais, c'est ça, en tout cas. Fait que, pour Paco, pour l'instant, ça fonctionne pas. Ben, dans le fond de sa cage, je pense que ça va marcher.
Mais ailleurs dans sa carrière, ça marche pas. Fait que c'est ça. En tout cas. Fait que, à voir. Mais c'est ça. Fait que là, la guerre a pogné ici depuis tantôt. Je ne fais qu'intervenir. Et je suis Chris Montami. Là, Jérémy s'en vient. Il y avait un rendez-vous à 4h15 là, pour faire changer ses pneus. Mais il a déjà fini. Là, il m'a appelé. Il est à la pharmacie. Fait que voilà. Donc, à ce moment, j'ai saucisse italienne. Fait que je commence à préparer ça dans pas trop trop long. Je vais faire ça avec des légumes, comme toujours. Puis voilà. Donc, ce soir, je fais le gâteau. Fait que je vous montrerai ça. Salut, on est le lendemain. J'ai coupé ça un peu sec hier. J'ai comme filmé juste les gâteaux dans le four. Mais dans le fond, c'est parce qu'après ça, il s'est passé quelque chose. Puis, dans le fond, on a eu très, 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 très peur pour Paco hier. On le trouvait très calme, il dormait beaucoup. Puis là, en tout cas, trois fois dans la journée, il a comme essayé de se déplacer, mais là, il se mettait à battre des ailes, mais comme, en tout cas, je ne pourrais même pas comment je pourrais essayer de vous décrire ça. Mais tu sais, comme, en tout cas, il se mettait comme dans des positions où il pouvait même plus, genre, bouger, là, tu sais. Puis, ben, hier soir, c'est arrivé pendant qu'on écoutait New Amsterdam. Mais comme là, il était rendu la tête à l'envers, il tenait par deux griffes, genre sur la cage. Puis il était coincé, puis il avait les ailes ouvertes, la tête en bas. En tout cas, je vous dis, là, un film d'horreur, là. Puis, dans le fond, là, Jérémy l'a aidé à sortir, à se dépogner, parce que Jérémy, c'est seul qui peut le toucher, là, tu sais, un peu. Fait que j'étais comme, ben, toi, c'est là, l'aider, parce que moi, il va chasser de me mordre. Puis là, il est tombé dans le fond de sa cage. Puis comme, il se tenait les pattes full écartées, full penchement en avant, il avait les yeux fermés, il respirait fort. Puis là, c'est ça. Puis après ça, il était comme à toi, justement. Puis là, il respirait genre, et de même, là. En tout cas, fait que là, toute la soirée, là, je l'ai regardé. Puis comme, là, je trouvais qu'il se pompait de l'air. Je trouvais que, en tout cas, il était vraiment bizarre. Fait qu'on s'est dit qu'on allait regarder ça ce matin, voir comment il allait. Là, il a l'air d'aller bien. Fait que c'était-tu comme de la fatigue, c'était-tu... Tu sais, comme, il est pas jeune, mais il est pas vieux non plus, là. Mais en même temps, j'en parlais avec ma belle-mère hier, puis tu sais... Elle dit, ouais, mais tu sais, Gab, il y a encore au moins une vingtaine d'années devant lui. J'ai dit, ouais, mais non! J'ai dit, tu sais, elle dit, c'est vrai que sur nos... Tu sais, comme, j'en connais pas bien, mais des gris qui sont vraiment vieux... J'ai dit non, gars, on est comme 20 000 sur le groupe de perroquets des gris d'Afrique au Québec, là. Puis la fille qui a le plus vieux gris, je pense qu'il a 32 ans, là. Tu sais, comme, il n'y a pas personne qui a un gris de 62 ans en ce moment, là. Genre, ça, tu sais, en tout cas. Comme moi, là, genre 35, là. Puis comme, puis même là, tu sais, ça dépend de la vie qu'il y a eu avant, puis tout ça, tu sais. S'il y a eu une, tu sais, comme la vie qu'il y avait avant, là, ça y a massacré son espérance de vie bien raide, là, tu sais. Fait qu'en tout cas, on va voir qu'est-ce que ça donne. Puis je vous avoue que je pense que s'il y a à mourir, je vais le laisser aller. Je vais pas essayer de le guérir à tout prix. Tout ça, il est vieux, il avait pas une belle vie avant. Il mangeait mal, il bougeait pas. Tu sais, comme, s'il y a à mourir, je vais juste le laisser mourir, tout simplement. Je vais pas aller dépenser des milliers de dollars à essayer de le sauver quand il a déjà 27 ans, tu sais. Si c'était Zoé, elle a un an, tu sais, comme je veux dire, elle a toute sa vie devant elle, tu sais. Elle a peut-être encore 40 ans devant elle, tu sais. Mais Paco, non. Fait que c'est ça. Ouais, j'ai pris cette décision-là, mais même là, tu sais, ce matin, il a l'air d'aller super bien, là. C'est comme... C'était vraiment comme hier, il filait pas, j'imagine, je sais pas quoi. Fait que là, j'étais allée lire, tu sais, les signes de souffrance, tout ça, chez les oiseaux, pour essayer de comprendre, puis tout ça. Mais ça m'a genre, pas vraiment rien. Ben oui, ça m'a appris des choses, mais tu sais, c'est comme. C'est ça, c'est qu'il y avait comme, mettons, deux symptômes sur, mettons, 10, là, mettons, ou sur 15, là, tu sais, c'était comme. En tout cas. Fait que, tu sais, il a pas arrêté de manger. Il a pas commencé à plus boire, il a pas... Tu sais, comme il bouge pareil, c'est juste que là, il était fatigué, il dormait beaucoup, puis comme ses affaires-là, là, comme trois fois dans la journée, il essayait de battre des ailes, là, puis là, il était pogné, puis ça, il savait pas quoi faire de sa peau, mais il fait ça depuis que je l'ai, tu sais.
Mais là, c'est comme si hier, il s'était épuisé à essayer de faire ça. Fait qu'en tout cas, ouais, fait que c'est pour ça que le vlog a coupé super sec. C'est qu'on a vraiment eu peur pour Paco, puis on a passé comme la soirée à comme le regarder, puis à l'observer, puis tout ça. Puis hier aussi, quand il m'a dit, hier soir, il m'a dit allô, genre pendant que je le rentre dans sa cage. Tu sais, la petite fait genre allô, comme super clair, puis il fait genre allô, tu sais, comme super rauque, tout ça. Puis le matin, je vais voir sa cage, puis il m'a fait allô, comme d'habitude. Fait qu'en tout cas, là, il est pas encore sorti de sa cage. D'habitude, il sort aussitôt que j'ouvre sa porte. Mais là, il est pas sorti. On va voir. On va voir où la vie va le mener, j'imagine. Fait que voilà. Donc là-dessus, moi, je vais aller chercher les gars. Pour les lever, il est déjà 7h. Puis, je vais vlogger quelque chose aussi, c'est la fête à Zach. Fait que, on va vlogger ça aujourd'hui aussi. Fait qu'on se revoit demain. Bye!